Quand Denis m'a proposé de faire une exposition, tout le monde évidemment s'attend, oui, le vieux Charlie il va faire une rétrospective, hein, comme ça on en sera débarrassé une fois pour toutes. Hélas, non. Ce sera une exposition qui est faite comme toutes les expositions que j'ai pratiquées jusqu'à présent, avec les derniers travaux. Le circuit que Denis me proposait et qu'il aurait préféré que ce soit aussi de la peinture, je me suis dit, mais oui, faisons une exposition de peinture. Et de peinture, pas d'objet, pas d'installation, un truc extrêmement traditionnel et donner au grand ornu une sorte d'ambiance un peu muséale, comme ça, d'art. Je dirais pas contemporain, parce que contemporain, on imagine d'art moderne. Il y aura 4-5 séries différentes, de factures différentes. Ce qui fait qu'on va avoir un peu l'impression d'avoir affaire à 4-5 artistes complètement opposés les uns aux autres, parce qu'il y a, dans chaque série des indices, des clichés, des effets qui viennent d'une volée D'accord. de tableaux que j'ai Bon, vus dans ma vie, parce que j'ai une espèce de on peut peut-être jukebox. commencer par le parcours, Oui, mais donc le parcours, il n'est pas encore défini. Hein. Ça, c'est la ouais. première salle dans laquelle on pénètre. C'est Hein, ça. voilà. Et puis alors, le circuit est compliqué, parce qu'une fois qu'on a fait le tour de ceci, c'est comme une sorte de préface. Hop, on est obligé de sortir, tu vois, D'accord, et ouais. on emprunte cette rampe, et puis on arrive dans une petite pièce. Là, on a prévu, on est en train de prévoir. On va peut-être faire une salle de musique avec, tu sais, quand je jouais de la guitare, on va pouvoir Des là-bas. archives, des archives Un peu des archives, des et années puis on 60. va remonter ici, et alors on se retrouve. Je ne sais pas encore comment on va la faire, mais je me demande si c'est pas dans la première. Une sorte de pièce un peu préface qui est la peinture Skid de Ryan que j'avais exposée chez Marie-Poque Brotas, où c'était une sorte de collection imaginaire qu'un critique avait établie au travers Sergio Bonatti. oui, Sergio Bonatti a collectionné 15, 16 peintres différents avec des encadrements différents, etc. Ce qui fait qu'on avait vraiment l'impression que c'était un truc, une collection d'artistes différents. Et ça donne un indice de ce qui va se passer par la suite, parce que ce sera un peu ça aussi. Il y aura une section. Une section fractale, je l'appelle la section fractale, C'est ici. avec des choses comme ça, tu vois, qui sont en même temps. C'est très curieux, parce que y a plein d'indices de reconnaissance par rapport à l'optical art, mais aussi à la peinture minimaliste, comme tu vois, et même des relents des années 30. Et alors, là, oui, Oui, donc ici on ça, cette passe série, dans l'autre salle. ce sera une peinture expressionniste. C'est-à-dire, je vais mettre là des peintures très lourdement chargées, hein, c'est le cas de le dire, avec des matières, mais il y aura une prédominance de peintures que j'ai fait sur les volcans. Parce que dès que je vois un volcan à la télé, je note le nom, c'est toujours des noms absolument impossibles à retenir, et je fais un tableau en fonction de ça. Mais quand même, il y a un mélange d'expressionnisme, une sorte de pontage entre l'expressionnisme américain des années 50 et l'expressionnisme espagnol des années 60. Tu vois, c'est une sorte de mixage comme C'est ça. ça. Alors là, oui, Alors là, là j'ai fait ici, une on passe. section, assez spéciale. C'est les quatre saisons. Je me suis dit, les quatre saisons, et je te montrerai là, elles sont stockées là, avec des esprits et des styles différents, mais qui est une ambiance, tu vois, très picturale et très déliée, et en même temps avec des tas de petits clichés qui viennent de partout, mais en même temps qui est tout à fait plausible. Comme si c'était un personnage à part entière. C'est ça. Hein, donc, alors, il y a la section des viandes. La section Hein, de viande, oui, oui, c'est ça c'est. les peintures cannibales. Donc, les peintures cannibales, j'ai commencé ça avec
la grande marche qui a eu lieu, la marche Charlie, hein, où tout le monde se retrouvait. Et j'ai continué en faisant une sorte de satire du milieu de l'art, du milieu du show business, où la viande, effectivement, est de plus en plus cachée au bénéfice d'un fantôme virtuel. Quoi. Donc la salle du pont va être tronçonnée. Il y a eu plusieurs sections. Oui, mais au départ, c'était ça. Et puis, maintenant, on a un peu abandonné cette idée. On va certainement la subdiviser avec des couleurs différentes pour qu'il y ait des changements d'ambiance. Mais on ne va peut-être pas fracturer durement. Est-ce qu'il y a un scénographe? Il y a un scénographe ou c'est toi qui va C'est Denis Guilain et moi. Hein. C'est Denis Guilain et toi, oui. Tu connais des scénographes ici en Wallonie, toi? Non, tu plaisantes, là. Chez les frères Dardenne, mais pas en heure. Et ça va. Ils savent même pas qu'il y a une scénographie dans les expos. Ils disent, mais ça va être quand même un challenge, hein, parce que c'est un musée difficile, quand même. Ah oui, oui. La salle Pont est un casse-tête. Oui, mais tout est un casse-tête, mais le casse-tête final est le plus conséquent. Ouais. C'est-à-dire que, tu vois, on a une enfilade de salles, on les parcourt, tout va très bien, et puis on arrive dans une impasse. Et c'est la plus grande. Mm-hmm. C'est la plus grande des salles. Oui, on y arrive. Tu vois le bazar. On y arrive. Quand tu as fait tout ce circuit, tu arrives là, mais tu ne peux pas déboucher sur l'extérieur, tu dois faire marche arrière. Alors, étant donné que... c'est quand même une salle que j'ai envie, justement, contrairement aux expos traditionnels, moi je veux des sièges. Hein, parce que j'en ai marre des expos où on est de plan, tu sais, debout, au garde-à-vous devant les trucs dans le vide, machin. Je veux vraiment qu'on sente à l'aise et qu'on ait le temps de regarder. Tu as installé une petite. Je vais te montrer de quoi il s'agit. Alors. C'est une construction très particulière. Elle est très bizarre. Hein. Et l'idée, tu vois, comment symboliser l'esprit de ce que je fais par rapport à ça, comment donner une sorte d'image d'approche hein, de ma vision de l'art que j'ai au travers de ça et au travers de ce que j'en ai écrit. C'est-à-dire, ceci, c'est la chambre d'Amos. Amos, c'est un physicien du 19e. Il a conçu une chambre que j'ai vue sur TF1, tu sais. Non, c'était sur France 2. Et puis, j'ai été fouillé sur YouTube et j'ai vu de quoi il s'agissait parce que certains l'ont reconstruite. On y entre par ici. Ah, on y rentre par là. Et on regarde par ici quelque part. D'accord. Et alors, tu vois, une fois que les personnages sont à l'intérieur, de par sa construction, de par les angles, de par la manière dont c'est peint sur les murs et sur le sol, celui qui est à l'arrière, à 2-3 mètres, on a l'impression que c'est un nain à côté de celui qui est à l'avant-plan, qui lui a l'air d'un géant. C'est une illusion d'optique totale. Et ça me convenait, non seulement parce que ça va être amusant, les gens vont se photographier là à l'intérieur, tu vois, le petit frère qui sera, qu'on va mettre à l'avant en plan, et le grand frère à l'arrière, on aura l'impression que c'est l'inverse, tu vois, c'est amusant. C'est une illusion, c'est un effet de vérité. Et ça convient très bien pour ce que je ressens par rapport à l'histoire de l'art et la mode de l'art qui nous domine pour le moment. C'est-à-dire qu'on met en exergue des personnages par des effets de vérité, des effets médiatiques, qui finalement, dans l'histoire, dans la perspective historique, ne sont rien. Et alors ça, évidemment, ça m'a excité les ménages, et je trouvais que c'était une belle finale pour clore l'exposition. Ouais, c'est pas mal comme idée. Rappelle-moi le nom du physicien. Amos. A-M-E-S. Donc là, on est dans le domaine de la science et dans le domaine du cirque, quelque part. Le domaine de la vision.
Le domaine de, non seulement de la vision, mais de l'approche de l'objet, de l'approche de la réalité. C'est une réalité truquée, tu vois ? C'est beaucoup plus pervers, qui n'est finalement perverti que par un effet. On crée un effet de vérité, tu vois, en truquant quelques éléments visuels, exactement comme les médias, hein. On te met en exergue le lapin de Jeff Koons, dont personne n'a rien à foutre, et finalement tu le retrouves dans les rues, partout dans le monde. Mais est-ce que ce n'est pas dangereux, Jacques, pour ta carrière, de dévoiler un truc ? Non, parce que en général, les gens n'y comprennent rien. Mais ça, je m'en fous. Non, ça, je m'en fous. Tu comprends bien ce que je te dis. C'est ce qui agace les collectionneurs. Ça énerve, évidemment. Ça énerve les bien-pensants de l'art. Non seulement les bien-pensants de l'art, mais ça devrait nous faire réfléchir sur l'effet de tromperie, la falsification, si tu veux, de la perspective historique dans laquelle nous baignons. Tu comprends, c'est ça, c'est qu'on nous met en exergue une sorte de top 50 de hit parade. D'ailleurs, on le voit, Art Price, c'est ça. Hein. Tu vas voir les trucs, tu vois Jeff Wall, tu vois machin, tu vois une volée de zozo hein, à l'avant-plan, et puis tu vois à l'arrière dans le hit parade quelques gens qui mériteraient peut-être un peu plus. Mais en fin de compte, non seulement le pognon, mais la domination des collectionneurs et du marché Mais in fine, parlons franchement, tu es un grand fan de la peinture. Tu étais, tu m'as parlé il n'y a pas longtemps de Tiepolo lors de ta dernière visite vénitienne. Tu es quand même, tu es un amoureux, du modernisme, du moderne. Je suis amoureux de beaucoup de choses. Tu vois ? Que ce soit bien au niveau musical qu'au niveau... Je regarde toute la télé du monde. Je suis sur Facebook, je n'arrête pas de regarder les choses. Mais, effectivement, la peinture, tu comprends bien que quand je me trouve devant Tiepolo, après avoir visité les reliquats de la collection Pinault, je vois de l'art alors que j'ai vu des broutilles. C'est ça aussi hein, qui est intéressant. C'est de voir, et chaque fois... de retourner vers l'essence même de l'art, tel que moi je la vois évidemment, hein. Je suis victime aussi de ma propre vision. Il n'empêche que quand je vois les dessous des balles que Tiepolo nous montre, c'est quand même autre chose que la Cicciolina.